la maison. Ah oui, ça va? Ça va, tu vas bien? Ça va super et toi? Oh, on a passé de très bons moments avec Miss Delight sur la chaîne YouTube. Oh, Miss Delight, si on se remémorait un petit peu toutes les aventures passées ensemble. Oh oui, ça pourrait être incroyable. Rappelle-toi la fois où t'étais confrontée à Thomas le train sur les voies ferrées. C'était terrifiant, peut-être. Ah ouais, ouais. Et attends, rappelle-toi la fois où t'étais confrontée à ta jumelle démoniaque. Oh, ça c'était très 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 terrifiant. Ah bah j'en doute pas, j'en doute pas. Bah, en tout cas, la famille, ce que je vous propose, moi, c'est de vous condenser toutes les aventures passées avec la fameuse Miss Delight. Ça va vous faire comme une grosse vidéo, comme vous les adorez. Ouais, 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 ça va être une dinguerie. Il y a même de fois où Miss Delight, t'étais méchante avec moi. Ouais, ouais, ouais. Oui, 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 je sais, mais là, aujourd'hui, je suis gentille, donc je suis pardonnée, hein. Oh oui, 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 t'es pardonnée, Miss Delight, hein. Bon, les gars, sur ce, mettez tout de suite plein de pouces bleus si vous voulez pas que Miss Delight vous tape avec son arme. Et il faut aussi s'abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore déjà fait. Hein, Miss Delight, hein, sinon tu vas les taper, hein. Abonnez-vous à la chaîne, sinon je vous tape. Oh non, 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 Miss Delight, calme-toi, calme-toi. Bon, allez, c'est parti maintenant pour les aventures de RobTech avec Miss Delight. Let's go! Saviez-vous qu'il existe une version diabolique de Miss Delight? Non, vous le savez pas! Eh bien, je vous l'apprends et je vous le confirme aujourd'hui dans cette vidéo. Il existe véritablement la sœur jumelle diabolique de Miss Delight. Je l'ai vue de mes propres yeux. Elle a tendance à traîner tout autour de la maison et dans mon quartier. Et elle passe son temps à faire du mal. Et surtout à Miss Delight! Miss Delight souffre de ce phénomène. Et en plus, ces derniers temps, bah, j'ai fait des vidéos moi avec Miss Delight. Et ça, sa sœur jumelle démoniaque, elle aime pas ça. Elle est en colère contre ça, et du coup ce qui fait qu'elle a tendance à venir jusque chez moi. Vous entendez, ça sonne, ça... Oh, voilà. Ouais, mais je crois qu'elle est là, elle est venue jusque chez moi. Je vous le dis, c'est sûr, elle cherche après la vraie Miss Delight. Je crois que ça va chauffer. Et bah vous les gars, mettez tout de suite un gros pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Moi je vais jusqu'à l'entrée et on va voir. Let's go. Hey, salut RobTech, je viens chez toi parce que je sais qu'il y a l'autre Miss Delight qui se cache chez toi dans ta maison. Quoi? Attends, calme-toi, calme-toi. Tu crois vraiment que je cache Miss Delight chez moi dans ma maison? Mais n'importe quoi. Il n'y a pas de Miss Delight qui se cache chez moi. Non, non, il n'y a rien ici. Menteur, je sais que t'as fait des vidéos avec elle dernièrement. Je sais qu'elle est chez toi. Non, Mais attends, c'est pas parce qu'elle fait des vidéos avec moi que ça veut dire qu'elle vit chez moi avec moi dans ma maison. Non, non, mais là franchement tu dis n'importe quoi. Menteur, mais tu sais quoi, tu vas l'appeler, moi je vais partir et tu vas lui dire qu'on se retrouve à 3h du matin devant le parking de la salle de sport, ok? Quoi? Ok, je vais l'appeler, je lui dirai, d'accord. T'as intérêt, hein. Oui, je vais l'appeler. D'accord, allez, je m'en vais. Pas de chez moi, ouais, va-t'en, ouais, c'est ça. T'as pas intérêt à me mentir, hein. Mais vas-y. Wow. Oh mon dieu. Attends, je crois que là, elle est énervée, très énervée. Là, on a vraiment eu affaire à la méchante Miss Delight. Je pourrais même dire que c'est la jumelle démoniaque de Miss Delight. Je crois que ça va chauffer là. Elle lui donne carrément rendez-vous à l'heure de 3h du matin sur le parking de la salle de sport. Je crois qu'ils vont se battre. Écoutez, moi maintenant, je prends mon téléphone, je vais tout de suite appeler la bonne version de Miss Delight et je vais lui expliquer tout ce qui vient de se passer. Allez, let's go. Allez, ça y est, je suis prêt les gars. J'ai le téléphone, je suis prêt à composer le numéro de la Miss Delight. On va tout de suite l'appeler et on va tout de suite lui expliquer ce qui vient de se passer. Hop, hop, là. Allez. Oh, je crois que ça sonne les gars. Bon, franchement, je la plains, j'aimerais pas être à sa place. Quand t'es confronté à ton jumeau démoniaque, t'es foutu. Bon, là, c'est sa jumelle du coup. Allô? Allô, Miss Delight? Allô? Je t'appelle pour le coup parce que il y a ta jumelle démoniaque qui est venue jusque chez moi et elle est très très énervée. Elle te cherche et je crois qu'elle veut te faire du mal. Oh non, pas elle. Elle me pourrit la vie. Mais qu'est-ce qu'elle me veut au juste? Je sais pas, mais elle veut te voir. Elle te propose un rendez-vous à l'heure de 3h du matin sur le parking de la salle de sport. Je crois que là ça va être chaud. Oh non. C'est pas possible, elle va encore me faire du mal. Oh là là. Ouf, pauvre Miss Delight. Bon, ok, RobTech, j'ai quand même peur, mais je veux que tu sois là avec ton drone pour nous surveiller. Et puis comme ça, s'il se passe quoi que ce soit avec ton drone, tu pourras intervenir, ok? Oui, bah je serai là, bah oh, d'accord, bah je viendrai avec mon drone, pas de soucis. Bon bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure, RobTech. Peace.
Oh mon dieu, les gars, la pauvre Miss Daylight. Ah ben je te le dis que là, elle est confrontée à sa jumelle démoniaque. J'aimerais vraiment, vraiment, vraiment pas être à sa place. Et en plus, pour que ça la rassure, elle veut du coup que je vienne avec mon drone jusqu'au parking de la salle de sport. Bah c'est ce qu'on va faire, on va s'équiper du drone les gars. Mais d'abord là, je vois sur mon téléphone, il est pas du tout encore l'heure de 3h du matin les gars. On va devoir attendre un petit peu. Et je crois qu'en attendant les gars, pourquoi pas se regarder l'épisode Poppy Playtime où là, bah, la Miss Daylight est confrontée à ses jumelles démoniaques. Ça va être très très intéressant, ça peut déjà nous donner une idée. Vas-y, bah let's go. Bon les gars, vous me connaissez, à chaque fois que je veux me regarder un film ou une série, je veux toujours quelque chose à manger. Là, on a des pommes. Oh non, j'aime pas les fruits. Les gars, qu'est-ce qu'il me reste? Qu'est-ce qu'il nous reste là dans le paquet? Oh, les gars, je crois qu'il reste des sushis. Ok. Bon, vas-y, prends ça. Et ça va être sushi tranquille devant l'épisode de Miss Daylight. Allez, let's go. Allez, là, on est bien. Ok, let's go. Regardez, ok, ça retrace déjà un petit peu toute l'histoire de la prof Miss Daylight. Elle fait l'ouverture de la classe. Jusque là vraiment tout va bien, les élèves sont adorables. Non mais ils lui font même des petits dessins, ils lui offrent des petites pommes. Mais, ah, attendez, qu'est-ce qui se passe? La sonnette retentit, elle a l'air très très inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Oh là, wow. Quoi? C'est là que les problèmes commencent. C'est là que les sœurs jumelles de Miss Daylight deviennent complètement démoniaques. Oh mon dieu, c'est la pagaille dans toute l'école. Elle essaye d'évacuer tous les élèves tant qu'il en est encore temps. Elles sont très très énervées. Oh non. Ils cherchent après les enfants, ils veulent faire du mal aux élèves. Mais c'est abusé. Non. Attendez, mais c'est une blague. Oh. Non, lui faites pas de mal, lui faites pas de mal. Oh là, non, c'est horrible, c'est horrible. Ah. Oh, quoi? Je crois qu'ils lui ont arraché le visage. Mais son... oh non, ils l'ont complètement défiguré. C'est pas sérieux, quoi. Non. Oh, c'est horrible. Non, mais sérieux, quoi. Non, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Les gars, quand vous êtes confrontés à vos jumeaux démoniaques, franchement, c'est la pire des choses qui peut arriver, vraiment, vraiment. Non mais ils l'ont carrément enfermée dans une prison. Oh, maintenant elle est devenue moche. Regardez, elle est vraiment devenue moche quoi. C'est dégoûtant. Mais regardez, regardez ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils vont la sortir de la prison? Non. Attendez, attendez, attendons de voir. Les gars, attention. Oh, ok. Oh, elle va pas se laisser faire en tout cas. En tout cas, elle a raison, elle va pas se laisser faire. Elle va pas se laisser marcher dessus. Je crois qu'elle veut littéralement éliminer toutes ses sœurs jumelles complètement diaboliques. Elle a raison, c'est ce qu'il faut faire, il faut s'en débarrasser. Et là, elle est très 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 en colère. Oh bah là pour le coup, je crois qu'ils ont provoqué son extrême colère. Là c'est sûr que même ses jumelles diaboliques, elles ne feront pas le poids. Attendez. Oh, oh c'est chaud. Oh mec, ça part carrément en cacahuète là, c'est vraiment abusé. Mais les gars, cet épisode c'est vraiment le plus terrifiant qu'on a jamais pu voir. Vraiment c'est une dinguerie là, ça ne s'arrête jamais. Oh non, là pour le coup ça se retourne contre elle. Oh non. Oh, 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 oh. Wow, elle a carrément fait une prise de catch. Sérieux. Enferme-la, enferme-la et tu seras tranquille. Je crois que c'est la dernière. C'est la dernière qui est restée. C'est vraiment la dernière jumelle démoniaque. Et si elle s'en débarrasse, elle est tranquille, non? Attendez. Oh, oh, mais en plus, elle va finir brûlée. Regardez, elle va cramer. Bah ça y est, on est tranquille, on en est débarrassé, non? Bah voilà, c'est ce qu'on voulait. Catnap. Wow. Attendez. Mais c'est ça, c'est le catnap. C'est la version démoniaque de catnap, ça. Attention, attention. Mais c'est quoi cet épisode de fou? Tiens, tiens, catnap propose un méga bout de viande à la professeure Miss Daylight. Elle ne va pas refuser. Non, 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 elle va pas refuser, ça c'est sûr. En plus, Miss Daylight, elle a très très faim. Bah ouais, forcément, elle a été confrontée à toutes ses jumelles diaboliques. Je pense que c'est normal qu'elle a faim maintenant, elle a besoin de manger. Oh, ça y est, cet épisode-là, je m'arrête là. Je m'arrête là, les gars. Mais c'est fou furieux, c'est fou furieux. En tout cas, là, l'heure va bientôt passer à l'heure de 3h du matin. Alors, ça va être le moment de s'équiper du drone, les gars. Et on va tout de suite voir ce qui va se passer. Ça y est, je vous le dis,
je suis resté éveillé jusqu'à l'heure de 3h du matin. Je me suis équipé de mon drone, j'ai la télécommande, je suis prêt. Et là je vais faire décoller le drone depuis ma chambre. Et les gars, faut savoir que la salle de sport c'est juste à côté de chez moi, c'est même pas à 2 minutes. Donc les gars, on va surtout survoler le parking. C'est là où il se serait donné rendez-vous. Les gars, vous le voyez, c'est un grand parking. Ça veut dire qu'il va falloir garder les yeux bien grands ouverts, les gars, je vous le dis. Il va pas falloir rater ça. Et les gars, si vous vous apercevez de quoi que ce soit, dites-le moi dans les commentaires. Parce que des fois, il se passe tellement de trucs que j'ai pas le temps de tout voir, les gars, je vous avoue, c'est fou. Déjà, attendez. Là, voilà, je suis devant la salle de sport. Je suis devant la salle de sport, les gars. On attend, j'attends comme ça, les gars. On attend de voir ce qui se passe. J'ai respecté le timing, on voit bien que l'heure vient tout juste de passer à 3h du matin. Et là, 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 les gars, là, elle est là. Elle est juste là, les gars. Je crois qu'elle vient de sortir de la salle de sport. Ouais, vraiment, elle vient de finir sa séance de sport, les gars. Elle a fini de pousser la fonte. Et les gars, mais attendez, maintenant, voyons voir s'il y a une de ces jumelles diaboliques qui apparaît là, comme ça, dans la vraie vie. C'est surtout ça qui peut être très, très intéressant. Attention, attention, moi, je suis prêt, je suis posté, je suis avec le drone. Carrément, je vais m'approcher au plus près de Miss Daylight. Déjà, on le remarque tout de suite, c'est la méchante Miss Daylight. Ouais, ouais, oui, c'est celle qui est venue à la maison tout à l'heure. Oui, 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 je la remarque tout de suite. Je la remarque tout de suite, ça y est, bah ouais. Non, non, mais ça y est, attention, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche après quelque chose. Je pense qu'elle cherche après l'autre version de Miss Daylight. C'est ça, c'est sûr et certain. Attendez, où elle va comme ça, là, les gars? Elle traverse tout le parking, tranquille. Regardez tout au bout, les gars. Je sais pas si vous le remarquez, mais je crois qu'il y a l'autre version de Miss Daylight. Je veux voir ça, je veux voir ça, je veux voir ça. Non, accrochez-vous bien, les gars. Je crois que ça va chauffer. Waouh, ils sont en train de dialoguer entre eux. Tranquille, tranquille. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait bien se raconter, mais je crois que là, ça se dispute. Ça se dispute, ça s'engueule, ça s'insulte. Je pense que là, ça doit être chaud. Oh, hey, les catnap. Catnap, les gars, il y a l'intervention du catnap. Catnap, que fait catnap? Je crois que Catnap essaye de les séparer. Ah, je crois qu'il essaye de les séparer. Je crois qu'il essaye d'éviter la catastrophe. Mais... Oh, oh, je crois que ça va se battre. Oh, ça commence à se battre. Les gars, les gars, regardez. Oh, on a carrément la bagarre entre Miss Daylight et sa sœur jumelle diabolique. Mais non, c'est pas possible. Mais Catnap essaye de les séparer, je sais pas, fait quelque chose. Oh, c'est ce qu'il fait. Wow. Ah oui, Catnap, il les a séparés. Ah ouais, voilà. Oula, attends. Wow. Alors le Catnap, il s'est fait dégager. Il s'est carrément fait dégager par les deux Miss Daylight. Et il continue à se battre. Et du coup, ils en profitent pour continuer à se battre. Et non, bah là, le Catnap, il peut rien faire. Il aura essayé, mais il peut rien faire là. C'est chaud. Mais j'espère que Miss Daylight va réussir à se débarrasser de sa sœur jumelle diabolique. Parce que là, ça doit être horrible. Ça doit être horrible. Elle doit clairement lui pourrir la vie. Attention, doucement, doucement. Ah, oh, oh, oh. Et non, c'est Miss Daylight qui a gagné, je crois. Je crois que c'est Miss Daylight qui a gagné. Je crois qu'elle a réussi à se débarrasser de sa sœur jumelle diabolique, non? Oh non, même pas. Attendez, regardez. Mais c'est la méchante Miss Daylight, ça. Ça, les gars, c'est la méchante Miss Daylight. Mais elle se réjouit d'avoir gagné le combat, je crois. Non, non, non. C'est pas possible. Voilà, elle en a pas fini. Je vous le dis, elle en est toujours pas débarrassée de sa jumelle diabolique. Et là, pour le coup, elle risque d'encore et encore et encore avoir plein, plein de problèmes à cause de cette foutue jumelle diabolique. Chou-chou. Hey, it's my critters. Venez avec moi faire un petit tour de train-train. Oh, ouais, let's... Go! Chou, 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 chou! Hey, stop! Arrêtez tout de suite! Descendez de ce train maudit! Et écoute-moi bien! Dégage de mon passage si tu veux pas que je t'écrase! Bah vas-y, écrase-moi si t'es capable, vas-y! Chou, chou! Oh! Mon téléphone qui sonne. Attendez, les gars, j'étais simplement en train de jouer avec Thomas le train et Miss Daylight quand mon téléphone sonne comme ça. Oh, qui c'est qui m'appelle, les gars? Attendez, stop, stop, les gars. Il y a Miss Daylight qui m'appelle. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe encore avec Miss Daylight? Pourquoi est-ce qu'elle m'appelle? Bon, vous le savez, à chaque fois qu'elle m'appelle, c'est qu'il se passe quelque chose. Donc on va répondre, on va voir. Qu'est-ce qui se passe encore? Allô, Miss Daylight? Hey, Robin, il y a un problème.
Scandale, le train est en train de chasser les Smiling Critters. Il veut faire du mal à mes élèves. Nous devons l'empêcher. Ce maudit Scandale, le train ne doit pas faire de mal aux Smiling Critters. Quoi? Attends. Il y a trop d'informations que tu me donnes là d'un coup. J'ai du mal à comprendre. Attends. T'es en train de me dire que le Thomas le train serait en train de chasser tes élèves? Oui, c'est exactement ça. Thomas le train est actuellement en train de chasser les Smiling Critters. Une solution là comme ça tout de suite c'est difficile. Bon écoute, je peux peut-être m'équiper du drone et je pourrais peut-être essayer de l'attaquer et de le chasser avec le drone, mais je sais pas si ça va fonctionner. Je vais quand même essayer. Bonne idée, tu peux déjà venir avec ton drone. Ok, Miss Daylight, fais attention à toi surtout. Oh mon dieu les gars, mais vous avez compris ce qui se passe là ou pas? Il y a véritablement Thomas le train qui veut attaquer et chasser tous les élèves de la professeure Miss Daylight. Ça veut dire Catnap, Dog Days et tous les Smiling Critters quoi. Mais c'est une folie ce qui se passe. Là les gars, va falloir encore s'équiper du drone. Mais la chose que je me dis c'est que là Miss Daylight vient de nous appeler à l'instant. C'est-à-dire que le temps qu'elle aille jusqu'à la gare et tout ça, il faut compter à peu près 15-20 minutes. Je pense que ça nous laisse le temps de se regarder l'épisode de Poppy Playtime où Miss Daylight est confrontée à Thomas le train. Ça peut déjà nous donner une idée et on peut voir déjà à quoi on peut s'attendre. Allez, vas-y, on se regarde ça tout de suite. Et juste après, bien sûr, on prendra notre drone et on survolera la station de train. Allez, let's go. Ok, dès maintenant, là, je vous le dis, c'est une dinguerie. J'ai très clairement retrouvé l'épisode où Miss Daylight s'était fait écraser par le Thomas le train. Oh, c'est littéralement une dinguerie. En se faisant écraser par Thomas le train, elle a carrément perdu ses jambes. Dinguerie en vrai. Et je crois que là c'est Thomas le train qui l'a fait prisonnière. Non, c'est le personnage qui veut essayer de l'aider, il veut essayer de la délivrer. Et oh non, en plus regardez, cerise sur le gâteau les gars, qu'est-ce qui se passe? Il y a carrément les Smiling Critters qui veulent s'en prendre à la professeure Miss Daylight. En plus, le personnage se montre en héros et il est là pour protéger et délivrer la professeure Miss Daylight. C'est un héros. Là, franchement, il joue le rôle d'un héros. Oh, vite, courez, cours, faut s'enfuir. Oh, ils se sont cachés, c'est bon. Non, c'est pas bon du tout. Il y avait encore un des Smiling Critters qui était là. Non. Oh non, la situation s'inverse. La situation est hors de contrôle. La Miss Daylight se fait carrément capturer par les Smiling Critters. Non, mais le personnage s'est fait neutraliser. Lui aussi, il est neutralisé. Il s'est fait choper par tous les autres. Non. Ne faites pas de mal à Miss Daylight. Elle a déjà assez souffert. Elle mérite pas ça. Oh, voilà. Oh, mais voilà. Oh, mais le personnage, il se laisse pas faire. Il use de sa force. Et ouais, il a raison. Il va tout faire pour protéger et sauver la professeure Miss Daylight. Il est là comme un sauveur. Oh, il a retrouvé les jambes de la professeure Miss Daylight. Je crois qu'il va carrément essayer de lui redonner la fonction de ses jambes. Elle va pouvoir remarcher. Oh, c'est une dinguerie. Oh non, attention, par contre, c'est pas fini. Les Smiling Critters, ils sont encore là. Et ils veulent pas lâcher l'affaire. Non. Wow, Crafty Corn, qu'est-ce qu'il fait avec un couteau? Il menace de tuer la professeure. Non. Oh, c'était chaud. Ils sont tous là, ça va être chaud. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous repartis. Quoi? Mais c'est une blague! Mais voilà qu'on est à l'arrivée de la sœur jumelle diabolique de Miss Daylight! Oui. Et je crois qu'elle veut s'en prendre à sa sœur! Le personnage s'interpose! Mais non! Non, mais quoi? Oh purée, c'est chaud là! Alors là, c'est chaud! Mais c'est une dinguerie! Mais là, pour le coup, cet épisode est complètement fou! Non! Ça dégénère! Oh, il a carrément enflammé les cheveux de la prof Miss Daylight. Maintenant c'est chaud. Maintenant il a intérêt de s'enfuir. Par le garage, vite. Rentre dans le garage et tu refermes la porte. Voilà, tu tires le levier et les... Ouf. C'est bon. Il la torture en ouvrant et en refermant. Il l'a carrément destroy. Oh non. Oh, mais cet épisode est fou. Attendez, je reçois un appel.
Oh quoi? Miss Delight! Y'a Miss Delight qui me rappelle! Les gars, faut que je réponde, je vais répondre. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Miss Delight? Mais allô? Mais allô? Miroquette, t'es où? Je ne vois pas ton drone! Dépêche-toi de venir avec ton drone! Tu es en retard! Désolé, Miss Delight, j'ai... Bon, allez, assez parlé, viens, dépêche-toi, viens avec ton drone. Oui, je me dépêche, c'est bon, je me dépêche. J'arrive tout de suite avec mon drone. Oh, mais oui, elle m'avait dit que je devais venir avec son drone pour l'aider à chasser Thomas le train. Mais moi, comme je suis bête, j'ai préféré regarder un épisode des Poppy Playtime. Vite, bah, je me dépêche. Allez, vite, je m'équipe de mon drone et on va tout de suite jusqu'à la station de train. Let's go. Là, je vous le dis, c'est chaud, les gars. Eh, j'ai la télécommande du drone. Le problème, c'est que j'ai du retard. Miss Delight, elle est énervée. Elle est pas contente. En tout cas, là, je vous le dis, ça va être rapide. La gare, elle est pas très loin. Elle est juste à 2 minutes de la maison. Je peux carrément prendre le contrôle de mon drone depuis là où je suis, de chez moi. Donc, c'est ça qui est bien. Ça y est, j'ai déjà déployé mon drone. Regardez, j'y suis déjà, les gars. Ouais, là, ça rigole plus. On va tout de suite se concentrer sur les voies ferrées. Je vais tout de suite survoler les rails. C'est ce qui nous intéresse le plus. Bien sûr que là, faire du drone en pleine nuit, c'est risqué. C'est très, très, très risqué. Il va falloir être très, très, très prudent. Je reste concentré. Surtout, il faut rester concentré. Bien sûr, les gars, si vous apercevez de quelque chose ou quoi que ce soit que moi, que j'ai pas pu remarquer, bah, faut me le dire dans les commentaires, là. Là, je suis actuellement positionné sur les quais des voies ferrées. On va rester positionné comme ça. Mec, regardez, les gars, qu'est-ce que je vois là? Elle est là déjà, là, la Miss Delight, elle est là. Oh, elle est passée juste à côté de mon drone. Mec, là par contre je crois qu'elle est partie de l'autre côté. Alors je vais aller de l'autre côté. Et là je suis bien, les gars. J'ai repris un petit peu d'altitude. Je suis monté un peu plus pour essayer d'avoir une vue encore un petit peu plus dégagée sur toutes les voies ferrées et sur les rails. Là, oh, mais qu'est-ce qu'elle fait? Attends, mais c'est dangereux ce qu'elle fait là. Elle marche carrément en plein milieu des voies ferrées. Mais si, y a un train qui passe. Bah là, regardez, il y a un train qui passe. Bon, ça va. C'est sur les rails d'à côté. C'est les voies ferrées qui sont un peu plus loin. Mais c'est chaud quand même, c'est chaud là. Attendez, je crois qu'il y a un train qui arrive cette fois sur les voies ferrées. Mais cette fois-ci du côté de Miss Delight. J'espère qu'elle est pas encore là en train de traîner sur les rails. Parce qu'elle peut se faire écraser. Attention. Elle est où Miss Delight là? Elle est où là? Attendez, les gars, je vais décaler mon drone. Je vais un petit peu décaler mon drone. J'espère qu'il lui est rien arrivé de grave. Parce que marcher sur les rails comme ça, c'est dangereux. Je suis un petit peu inquiet là, du coup, là. Non. Ah bah non, elle est là. Ah bah c'est bon. Tout va bien parce qu'elle continue encore à marcher sur les voies ferrées. Donc c'est que tout va bien. Pire encore, elle s'est carrément arrêtée en plein milieu des voies ferrées. Et elle reste là comme ça plantée. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Mais Miss Delight! Et elle attend que le Thomas le train il passe là comme ça et elle va le chasser ou je sais pas ce qu'elle va faire, mais là, je sens que ça va mal se finir cette histoire. Je sens que ça va mal tourner de toute façon. Je sais pas pourquoi, j'ai un mauvais pressentiment là. Là, regardez, on la voit, elle continue encore à marcher sur les rails. Elle traque le Thomas le train. Elle le sent. De toute façon, elle doit le sentir. Attendons de voir, les gars, là, parce que je le sens que quand il va y avoir la rencontre, ça risque d'être explosif. Croyez-moi, ça va être chaud. Attendez. Qu'est-ce que j'entends, les gars, là? Ça, c'est peut-être le wagon du Thomas le train. Mais je vous le dis, je vois les rails depuis ma fenêtre. Donc c'est pour ça que j'entends de chez moi. Hé, attendez, de tout... Oh! Non! Les gars, stop! Les gars, regardez! La confrontation est là! Thomas le train, Miss Delight qui est là. Et je crois que là, elle l'empêche de pouvoir continuer à se déplacer sur les rails. Mais d'abord, qu'est-ce qu'ils doivent bien être en train de se raconter? Je pense qu'ils doivent même être en train de se disputer. Et je crois que ça va chauffer. Oh, Thomas le train qui redémarre, qu'est-ce qu'il fait? Oh, non! Quoi? Il a redémarré, il a carrément écrasé la professeure Miss Delight. C'est capote, c'est fini. C'est comme ça, quoi? Mais c'est pas comme ça que ça doit se finir. C'est pas possible. Non, les gars, c'est une blague. Mais Miss Delight vient carrément de se faire écraser par le Thomas le train sous nos yeux. Là, c'est sous nos yeux, c'est ce qui vient de se passer. Mais fallait pas jouer à ça. Surtout pas avec Thomas le train. Bon, bah là, c'est chaud, les gars. Ça veut dire que ça marque clairement le retour de Thomas le train. Et oui, il est de retour en gare, les gars. On va surveiller ça de près. Oh, non! Oh, Shorter! Oh non!
suis en retard. J'avais école aujourd'hui. J'ai complètement oublié d'y aller. Mais je suis pas en retard d'un tout petit peu. Je suis carrément en retard de toute la journée, les gars. C'est la fin de journée, il est 19h. Oh non, mais alors là, la professeure va me prendre pour un gros cancre. En plus, c'est la toute nouvelle professeure Miss Delight. Oh, je suis foutu. Mais attendez, mais les gars, dans mon téléphone, j'ai reçu un nombre incalculable d'appels de la professeure Miss Delight. Elle m'a appelé au moins 8 fois. Purée, alors là, elle va me punir. Je suis foutu. Oh, attendez, mon téléphone, je reçois un appel. C'est qui ça? Oh non les gars. Mais regardez, il y a professeur Miss Delight qui m'appelle. Non. Oh mais qu'est-ce que je vais dire les gars? Faut vite que je trouve une excuse. Qu'est-ce que je peux dire? Je sais. Ok, let's go. Allez. Allô, professeur Miss Delight? Allô, Robtek. Je suis très très en colère contre toi. Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu à l'école aujourd'hui? J'attends de vos excuses. Et de toute manière, tu seras puni. Alors excusez-moi de mon absence, professeur Miss Delight, mais j'ai eu un problème. J'ai eu une panne de réveil. J'ai pas réussi à me réveiller. Je suis désolé. Ce n'est pas une excuse valable. Tu n'es pas venu à l'école de toute la journée, sale cancre. Je vais venir jusque chez toi et je vais te punir. Oh mon dieu les gars, non, elle a raccroché, elle est très 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 en colère. Alors là, je vais avoir besoin de tout votre soutien. Je pense que vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation où vous êtes en retard. Là je suis mal barré. Attendez, mettez-moi un maximum de pouces bleus et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Bon bah dès maintenant les gars, il va falloir élaborer une stratégie. Je dois tout faire pour esquiver la venue de la professeure Miss Delight chez moi. J'ai une idée les gars. Attendez, dans mon sac normalement j'ai mon drone. Oui, j'ai mon drone les gars. Regardez, j'ai le drone, écoutez-moi bien. Je vais faire décoller mon drone tout de suite. Cela me permettra de pouvoir traquer la professeure Miss Delight et je pourrai savoir à quel moment est-ce qu'elle pourrait arriver jusque chez moi. C'est la seule solution. Allez, vite les gars, vite faire décoller mon drone. Oh, vite, je vais déployer mon drone. Allez, je me dépêche. Allez, c'est bon. Allez, go. Mais ça y est les gars, le drone est en action. Je dois savoir à tout prix qu'est-ce que fait la professeure Miss Delight. Parce que là je crois que je suis finito les gars. Elle est très 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 en colère et je crains qu'elle vienne jusque chez moi pour me punir très sévèrement. J'ai clairement loupé une journée entière d'école. C'est comme si j'avais séché les cours. Elle doit être très énervée. Elle doit être très 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 énervée. Je sais pas encore quel genre de punition elle va m'infliger. Mais là je crois que je suis mal barré. Je la cherche les gars. Là les gars, ce que je suis en train de faire, c'est que je survole le parking de l'école. Voyons voir. Et je crois qu'à côté il y a le Starbucks. Ouais, il y a le Starbucks là, juste là les gars. Là dites-vous qu'on n'est pas très très loin de la sortie de l'école. Attendez, il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un que je vois marcher comme ça sur le trottoir. C'est qui, c'est quoi? Attendez, je zoome. Les gars, elle est là, je crois. Attendez, je vais. Oh non. Oui, c'est sûr que c'est la professeure Miss Delight. Je vais baisser un peu mon altitude. Ouais, je vais baisser un peu l'altitude. Mais non, mais déjà, regardez-moi sa démarche. Non, mais elle fait vraiment flipper cette prof. Les gars, c'est vraiment la pire prof que j'ai jamais eue. Non, mais sérieux. Mais attendez. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Bon, là, je pense qu'elle est sur le chemin du retour pour rentrer chez elle. Elle a fini sa journée normalement. Parce que attendez, c'est bizarre. Elle emprunte exactement le même chemin que quand moi je rentre pour retourner chez moi. Donc c'est pour ça que j'ai peur, attendez. Oh mais ça voudrait dire que peut-être qu'elle profite qu'elle a fini sa journée pour venir jusque chez moi et pour me punir. Je crois que c'est ce qui va se passer les gars. Oh non, on croise les doigts les gars. Eh non, si c'est ça, c'est pas possible, je peux pas laisser faire ça. Je vais essayer de la dissuader. Je vais m'approcher avec le drone, je vais essayer de lui faire peur avec mon drone les gars. Comme ça elle va oublier l'idée de venir jusque chez moi. Oui. Oh, attention, elle a vu le drone. Oh purée, c'est super risqué ce que je suis en train de faire. Quand même, je suis fou. Le but c'est que toute son attention soit préoccupée par mon drone, qu'au lieu qu'elle ait l'idée de venir jusque chez moi. Je continue à l'embêter. Oh, elle aime pas ça du tout. Oh, ça la met en colère. Oh purée, par contre elle fait peur avec son arme là. Ça je te le dis, que si t'as le malheur qu'elle te tape avec son arme, ça doit faire très très mal. Oh, attendez, je vais m'approcher tout près. Je vais essayer de la faire flipper. Alors professeur Miss Delight, on fait moi la maline. Oh purée. Oh, c'est une dinguerie.
Oh, attends, attends, elle continue son chemin. Non, 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 non. Attendez, j'ai bien peur qu'elle ait toujours l'idée en tête de venir jusque chez moi. Faut que je l'en empêche. Non, 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 attendez, je vais la suivre. Oui, 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 faut que je continue à la suivre. Attendez, c'est chiant, elle prend le chemin qui n'est pas éclairé. Oh non, elle le fait exprès, elle le fait exprès. Mais là, je la vois plus. Les gars, on la voit plus. Mais non! Attendez, le pire, c'est que c'est exactement le chemin qui mène jusque chez moi. C'est pour ça que ça me fait encore plus flipper, les gars. Je sais pas pourquoi, là, j'ai pas la confiance du tout, du tout. Si elle vient jusque chez moi, c'est forcément pour me punir. Mais c'est pas ça, c'est parce que je suis pas venu à l'école aujourd'hui. Vous avez entendu? Oh non! Les gars, c'est... Y'a quelqu'un? Attendez. Oh non, 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 attendez, attendez. Y'a quelqu'un? Attendez, je descends. Y'a quelqu'un? Mais... Oh non, regardez! Non! Oh! Oh! Non! Quoi? Mais... Viens ici! Mais attends, mais Delight! Mais sors de ma maison! Tu fais quoi? T'as pas le droit! T'as pas le droit de rentrer dans ma maison! Je vais te punir! Mais professeur Miss Delight! Va-t'en, va-t'en! Oh non, 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 mec! Je suis foutu! Je me cache! Vite, sous la table! Sous la table! C'est bon, je suis caché sous la table! Non! Mais attendez, c'est quoi le délire? Elle est là. Non mais va-t'en. Non. Ah, lâche-moi. Non. Viens là. Non. Mais arrête, mais Miss Delight, mais t'es pas sérieuse. Arrête. On peut s'arranger, non? Calme. D'abord, t'as pas le droit de rentrer dans ma maison comme ça. T'es sérieuse ou quoi? J'ai tous les droits. Je suis ta professeure, je fais ce que je veux. Mais attends, mais quoi? Tu fais ce que tu veux, t'as pas le droit de faire ça. Non. Je vais te punir. Non. De une. Quoi? Tu viens pas en cours. Mais quoi? Et de deux, tu m'espionnes. Non, je t'ai pas espionné. Ça, c'est faux. Si. Non, quoi? C'est irrespectueux. Mais tu dois espionner, c'est faux ça. Avec quoi je t'ai espionné, vas-y quoi? Avec ton drone. Non, c'est pas moi, c'est faux ça. Si. Non. Menteur. Non. Menteur. Non. Et de trois, c'est un menteur. Non. Si. Putain, laisse-moi tranquille. Menteur. Non. Menteur. Non. Ça sert à rien de courir. Non, mais laisse pas t'échapper. Mais les gars, je suis foutu. Faut que je parte de la maison, faut que je m'enfuis. Je vais m'enfuir vite. Viens là. Non. Tu peux pas. Non. Eh non. Arrête. C'est l'herbe, la punition. Mais non, c'est quoi la punition? C'est quoi la punition? Vas-y, dis-moi, hein. Je vais te taper. Non. Et tu vas souffrir. Non, arrête. Me tape pas. Aïe. Non, elle me tape. Aïe. Non. Elle me tape, ça fait mal. Non, arrête. Non. Non, attends. Arrête. Miss Delight, non. Aïe. Alors, j'ai pris le contrôle de la vidéo. Quoi? Mais Miss Delight, t'es sérieux? Mais tu m'as attaché. Mais t'es sérieux? Arrête. T'es méchante, Miss Delight. Non. Mais rends-moi ma caméra. Retire-moi ça. C'est la honte. Tiens, je vais te donner le bonnet d'âne. Non, quoi? Quoi? Moi? C'est la honte. Mais quoi, moi, c'est le bonnet d'âne? Mais non, je veux pas le mettre. Mets-le. Quoi? Mets-le. Je suis obligé? Sinon, je te tape. Non, les gars, je suis obligé de mettre le bonnet d'âne. Non, c'est trop la honte. Mais non, Miss Delight, mais t'as pas le droit de faire ça. Détache-moi. Allez, détache-moi, non. Allez, c'est bon, arrête. Coupe la caméra. C'est bon, c'est la honte. Alors, c'est tout ce que tu mérites, sale cancre. Non. Mais détache-moi, non. Tous tes abonnés vont voir que t'es un sale cancre. Non, arrête. Non, mais détache-moi. Allez, assez rigolé, on finit la vidéo. Mais Miss Delight, faut que tu me détaches. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu me détaches? Non. Alors, pour que je te détache, faut vous abonner à la chaîne YouTube et n'hésitez pas à mettre un pouce. Mais attends, ok, bah vite les gars, abonnez-vous. Abonnez-vous pour que Miss Delight me détache. Allez, salut. C'est moi, Huggy Wuggy.
Je viens plutôt de recevoir un menu Happy Meal. Et oui, c'est pas n'importe lequel. Non, non, regardez. C'est bel et bien le menu de la professeure Miss Delight de Poppy Playtime chapitre 3. Ça va être une dinguerie, je sens que cette vidéo va être complètement folle. Écoutez-moi bien les gars, nous allons ensemble découvrir et déguster le fameux menu de Miss Delight. Et oh, oh, attendez, oh wow, 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 mon téléphone qui sonne. Oh, je déteste quand on me dérange alors que je m'apprête à déguster mon menu Happy Meal. Oh, hé, hey, attendez les gars, il y a Miss Delight qui m'appelle. Oh, oh, oh. Hey, mais je pense que c'est forcément parce que j'ai reçu le menu Happy Meal. C'est peut-être ça. Bon, hey, je vais répondre, voyons voir ce qui se passe. Allez, hop. Allô, c'est qui? Allô, c'est moi Miss Delight. Je t'appelle pour savoir pourquoi est-ce que tu as commandé mon menu Happy Meal à 3h du matin. Attends, d'abord, comment tu sais que j'ai commandé ton menu Happy Meal? J'ai des informateurs secrets. Je peux espionner où je veux et quand je veux, n'importe qui. Oh, tu m'espionnes ou quoi? T'es bizarre, hein. Franchement, t'es trop bizarre. Tu n'aurais jamais dû commander à 3h du matin. Ah, maintenant, écoute-moi bien, je vais venir jusque chez toi. Tu vas pleurer. Les gars, les problèmes commencent. Et tant qu'on y est, les gars, allez, on va découvrir ensemble le contenu du menu. Mettez tout de suite un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube parce qu'encore une fois, je prends de très grands risques. J'ai forcément besoin de tout votre soutien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans, les gars? Oh, attendez. Mais quoi? Un tube de colle? Un bâton de colle plutôt? Attends, mais du coup ce serait vrai les gars? Mais ouais, il y a une rumeur apparemment qui dit que la professeure Miss Delight mettrait des fournitures scolaires dans tous les menus Happy Meal. Mais ça commence déjà par le bâton de colle. Voyons voir tout ce qu'on retrouve là, parce que là je suis inquiet. C'est quoi? Non, ah bah voilà. Ah mais non, mais regardez, qu'est-ce que je disais? Regardez les gars, normalement c'est le paquet des chicken nuggets. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve à la place? Des crayons à papier! Mais quoi? Il y en a au moins 10! Il y a 10 crayons à papier, les gars! Et c'est quoi le délire? Et regardez, bah, attendez. En plus, il y a les petites gommes derrière les crayons à papier et tout. Non, bah forcément, c'est pas comestible, ça se mange pas. Ah non, on peut pas, ça se mange pas. Non. Mais regardez en plus, il y a carrément la professeure Miss Delight! Là, regardez là! Non! Mais quoi? Mais elle a carrément personnalisé tout en son nom. C'est une folie ça ou quoi? Mais elle se prend pour qui la professeure là? Oh, attendez, le paquet de frites. Le paquet de frites les gars. Et bizarrement, il n'y a pas de frites qui dépassent du paquet. Donc déjà, je crois que c'est bizarre. Attendez. Mais quoi les gars? Mais regardez ce que je trouve! C'est des gommes? Non sérieux. Non sérieux les gars. À la place des frites, eh bien il y a des gommes. C'est sérieux, il y a vraiment plein de fournitures dans ce menu Happy Meal. Mais c'est pas sérieux, ouais, ça dégage. Moi j'ai pas envie de retourner à l'école. Non, je suis pas d'accord. Attendez, ah, on a le sandwich. Bon, on a le sandwich déjà. Ça c'est mieux. Bah oui, les gars, avant tout, quand on commande un menu, c'est pour avoir quelque chose à manger quand même. Attendez, bon, voyons voir les gars. Enfin, ça va, le sandwich a l'air plutôt sympa, non? Non, bon, on vérifie toujours les gars, à chaque fois on vérifie bien la garniture, on regarde à ce qu'il y a à l'intérieur du sandwich. Mais quoi? Mais regardez, c'est une blague? C'est un sandwich avec des friandises pour chat à l'intérieur. C'est sûrement pour appâter le catnap ça je pense. Ah oui, ça c'est sûr. Ah, ça pue, bah forcément les gars, ça sent de la bouffe pour chat ou pour chien, je sais pas, en tout cas non, c'est nul, je peux pas bouffer ça, non les gars, en tout cas, pour ce qui en est de la garniture, les frites, bah à la place c'est des gommes, les nuggets, c'est des crayons à papier, et là les gars, je pensais pouvoir manger un peu le sandwich, mais non, à l'intérieur il y a des friandises pour chat, donc non, encore une fois, je vais pas manger ça. Attendez, mais, non mais c'est une blague. Attendez, regardez, mais qu'est-ce que je trouve dans le menu du Happy Meal les gars là? Un bonnet d'âne! Non, c'est une blague ou quoi? Non! Mais je comprends pas pourquoi est-ce que ça se retrouve dans mon menu Happy Meal à moi! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis un cancre? Mais attendez, je vais le mettre. Bah, les gars, je suis obligé de le mettre. Regardez. Non! Je suis le cancre de la classe! Mais c'est pas normal! Normalement, je suis sûr que le cancre, c'est plutôt Huggy Wuggy! Ouais! Oui! Ou pire, Catnap!
Oui, oui, je suis sûr que ça irait beaucoup mieux au catnap. Je suis sûr que lui, il a des très très mauvaises notes et qu'il est pas sage à l'école. Ouais, bah il aura le bonnet du cancre. Oui, 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 non mais sérieux, c'est pas pour moi, c'est pas à moi plutôt. Non, non, non. Oh, attendez, attendez, attendez. Eh, regardez ce que je trouve, les gars. Une image des Smiley Critters. Ça veut dire quoi, ça? Bah attendez, quand je réfléchis, c'est peut-être probablement les élèves de la professeure Miss Delight. Bah ouais, c'est tous les Smiley Critters, c'est sûr. Attendez, qu'est-ce qu'on trouve là? C'est quoi? Oh bah tiens, encore une fois les Smiley Critters réunis. Et en plus on remarque que le catnap a le bonnet d'âne. Mais oui, regardez, il a le bonnet d'âne. Bah donc c'est lui. C'est... Voilà, je savais. Catnap, c'est le cancre. Bah ça c'est sûr et certain les gars. Bon, ok, et là c'est quoi? Oh, regardez, il y a carrément la représentation de la professeure Miss Delight. Elle fait peur, elle est moche. Non, c'est effrayant, carrément, j'en veux pas, non, je la mets à la poubelle. Non, non, elle fait trop peur, la représentation de la Miss Delight, elle fait trop peur, non, non, non. Non, mais les gars, attendez, mais par contre, j'ai remarqué tout de suite, les gars, dès le début, mais il y a comme un QR code, et en plus, c'est écrit « Scanne-moi surprise », les gars. Ça veut dire que je vais scanner et on va peut-être avoir une surprise, je sais pas. Avec l'appareil photo, on va scanner les gars. Voilà, c'est bon, c'est scanné. Ah, ça fait quoi sur mon téléphone? Oh, ça vient de déclencher une vidéo. Oh, wow. C'est l'histoire animée de Miss Delight. Ouais, ouais. Oh, mais ouais. Alors en plus, personnage de Poppy Playtime, quand il était confronté à la Miss Delight, sa mission c'était de tout faire pour échapper à la Miss Delight. Regardez. Oh, c'est chaud. Et en plus, il faut toujours garder un œil sur la Miss Delight, parce que si tu la regardes pas, c'est à ce moment-là où elle te poursuit. C'est tellement terrifiant. Oh, regardez, elle est tellement effrayante. Elle est creepy, mais vraiment, vraiment, vraiment. Mais vite, active. Active, alimente le portail. Le but, c'est d'alimenter les portails, de les déverrouiller et de tout faire pour échapper à la Miss Delight. Mais pourquoi? Pourquoi quand il met la batterie dessus, ça fonctionne pas? Vas-y, vite! Vite! Miss Delight, elle arrive! Le seul moyen de ralentir la progression du Miss Delight, c'est de la regarder! C'est bon! Le portail est alimenté! Normalement, ça devrait s'ouvrir! Vite! Oh! C'est chaud! C'est chaud! Cours, cours, cours! Vite, 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 vite! Allez, referme! Faut refermer derrière! Là, c'est bon! Là, c'est bon, là! C'est bon! On a réussi à échapper à la Miss Delight! Purée! Elle est vraiment, vraiment effrayante! Mais maintenant... Bon, maintenant, faut continuer à trouver toutes les autres batteries pour pouvoir ensuite alimenter tous les portails et vraiment quitter la zone. Il ne faut pas rester là! Miss Delight traîne encore dans les parages. Ça va être chaud. Ok, on continue à alimenter tous les portails. Allez, vite, 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 vite. Non. Oh, oh! Elle est encore là! Vite, 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 vite! Mince, c'est pas terminé. Non, 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 ah non, c'est pas si facile que ça, les gars. Sinon, ce serait pas drôle. Non, mais attendez. Elle est encore de plus en plus creepy. On dirait que plus on avance et que plus elle est terrifiante et encore plus dangereuse même. Attendez, regardez, lui le personnage, il se laisse pas faire. C'est ça qui est bien, c'est qu'il se laisse pas faire. Là, qu'est-ce qu'il va tenter là? Attends. Oh mec, c'est risqué. Attendez, il va tenter d'électrocuter la Miss Delight. Oh oui, il a carrément électrocuté la Miss Delight. Voilà, bah là il est tranquille. Il en est débarrassé, non? Non? Attends, non, elle bouge encore. Non. Oh. Oh non! Il pensait en avoir fini, il pensait être débarrassé, mais toujours pas! Toujours pas! Non! Vraiment, elle est de plus en plus effrayante. Vraiment, là, pour le coup, comme je l'avais dit, hein, plus ça avance, plus elle fait peur! Oh! Vite! Ah oui! Les gars, regardez, là on le voit bien. La seule façon de ralentir sa progression, c'est de la regarder. Mais dès lors que t'as le dos tourné et que t'as pas le temps de la regarder pour t'enfuir, c'est là où elle se met à te suivre. C'est vraiment, vraiment, vraiment trop, trop flippant. Vite, 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 voilà, ok. Enclenche le levier. Vite, 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 elle arrive. Mais enclenche le levier. Allez, vite. Voilà. Vas-y. Allez. Mais dépêche! Mais qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi est-ce qu'il hésite? Qu'est-ce qu'il... Oh, non! Attendez. J'ai l'impression qu'il se fait charmer par la Miss Delight. Ne tombe pas sous son charme! C'est un piège! Allez! Elle essaie de jouer sur les émotions! Faut pas se faire piéger. Oh, non, 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 non. Allez, voilà! C'est bon, allez! Finito! J'espère qu'elle va se faire écraser par le portail coulissant, vas-y! Attendez, c'est triste! Attendez... Il essaie de réactiver, il essaie de faire remonter le portail parce que... Non, c'est trop tard. Tu peux pas. Ça y est, le portail va se fermer.
Ça va complètement écrabouiller la Miss Delight. C'est finito. Finito, finito. Attends. Oh non, ça se finit. Ça se finit d'une manière tellement triste en vrai. Bah, le personnage là, il s'en veut. Il est triste maintenant. Non. Attendez. C'est moi où j'entends sonner. Eh oui, oui, oui. Attendez, laissez-moi prendre la caméra en main. Les gars, il faut forcément s'attendre à ce qu'il y ait l'arrivée de Miss Delight, je crois. Oh, purée, purée, purée. Si c'est ça, c'est chaud. Attendez, les gars. Vite, vite, vite. On va voir. Les gars, je vais descendre jusqu'à la porte d'entrée. Non, non. Et là, par contre, s'il y a vraiment la Miss Delight, je saurais pas quoi faire. Je saurais même pas comment réagir. Elle fait peur. En vrai, elle est effrayante, les gars. Elle est tellement creepy. Je crois que je suis foutu, là. Bon, j'ouvre la porte tout doucement. Au cas où il se passe quoi que ce soit, comme ça, j'aurai le temps de la refermer. Bon, vas-y, je vais essayer. Attends, on va voir. Un petit peu. Tout doucement, un petit peu. Y'a quelqu'un? Yo, y'a quelqu'un? Miss Delight? Non. Oh, là, regardez! Qu'est-ce que je trouve? Les gars, regardez, qu'est-ce que je retrouve sur le pas de la porte? Mais c'est quoi? Mais c'est une pile de cahiers? Les gars, regardez! Une pile de cahiers? Mais quoi? Mais pourquoi est-ce que je retrouve ça devant ma porte? Mais c'est forcément des cahiers des élèves de la professeure Miss Delight? Je pense que c'est ça, les gars. Et. Oh, non, attendez, c'est pas tout, y'a. C'est quoi? C'est une potion, ça? Ça, je le vois tout de suite, c'est une potion, les gars. C'est moi ou c'est peut-être la potion de Miss Delight? En vrai, c'est peut-être ça, les gars, quand je réfléchis. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis censé faire, surtout? Bon, je vais pas prendre le risque. Peut-être que je vais ramasser la pile de cahiers. Bon, je prends la potion, je ramasse la pile de cahiers, là. Allez, je mets tout ça dans la maison. Voilà, comme ça. Regarde-moi tout ce tas de cahiers. Allez, je suis à la porte. J'arrive même pas à refermer ma porte. Dingue, les gars. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça, moi? Bon, forcément, tout ça a un lien avec la professeure Miss Delight. Maintenant, peut-être, pourquoi pas tester la potion? Oui, les gars. Franchement, la potion, c'est ce qui m'intrigue le plus. Les gars, ça serait intéressant. Ça serait forcément très, très intéressant. Ou, attendez, quoique, non, ce serait peut-être plus judicieux de faire tester la potion à Sim Spooky. Comme ça, on aura le recul d'analyser tous les effets que ça peut donner. Bon, vas-y. Eh, je vais aller réveiller Sim Spooky et je vais lui proposer la potion de Miss Delight. Vas-y. Eh, en espérant qu'il accepte, je monte jusque la chambre de Sim Spooky, là. Je rentre, les gars. Sim Spooky? Oh, il dort. Les gars, Sim Spooky, il dort. Sim Spooky? Eh, Sim Spooky, réveille-toi. Oh, attendez, je pose la potion là, comme ça. Eh, Sim Spooky? Oh. Eh, Sim Spooky, réveille-toi. Eh, Sim Spooky? Oh. Réveille-toi. Eh, coupe ta lumière, là. Non, non, attends. Arrête. Oh, j'ai une dinguerie à te montrer. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai une potion. Regarde. Bah, regarde à côté de ton lit. Regarde là. Mais c'est sérieux ou quoi? Regarde, gros. Écoute-moi bien, c'est la potion de la professeure Miss Delight de Poppy Playtime chapitre 3. Oui, gros. Comment ça? Eh, Sim Spooky, viens, réveille-toi. Vas-y, sors du lit. Attends. Mec, c'est une dinguerie, là. Je te propose une dinguerie. Quoi? Si c'est pas chaud, tu testes la potion de Miss Delight pour voir ce que ça fait. Ah ouais, mais non, mais t'es sérieux? Tu me réveilles pour ça, toi? Bah ouais, mais c'est pour qui, toi? T'as toujours l'habitude de tester les potions et tout. C'est toujours toi, c'est ton domaine. Je sais très bien que j'ai l'habitude, mais là, t'abuses, Robtek. Viens au salon. Allez, Sim Spooky, viens avec nous au salon. Okay. Ça va swinger. Let's go. A few moments later. Allez, Sim Spooky, j'ai la potion. Est-ce que t'es chaud, là, ouais, déjà? Ouais, vas-y, je suis prêt. Allez. Toi, Sim Spooky, c'est comme si t'étais un peu le cobaye, tu vois. Tu testes toutes les potions et tout. Je vois un peu le délire. Bon, tiens, vas-y. Dis-moi tes ressentis. Tu testes et tu me dis comment ça fait, qu'est-ce qui se passe surtout. Ok, allez. Tu nous dis ce qui t'arrive, d'accord? Attends, déjà, je vais sentir, déjà, non? Vas-y, tu peux sentir, ouais. Alors, c'est quoi? Ça sent comment? En vrai, ça va. En vrai, ça va. Ça va? Ouais. T'as connu pire, je pense. Ouais, je pense que j'ai vraiment connu pire. Attends, tiens le bouchon de liège. Ok, allez, je crois. Quand faut se lancer, hein. Allez. T'es chaud? 3. Attends. 2. Recule un peu. Voilà. Mets-toi là. Et moi, je vais garder mes distances. Mais pourquoi tu me fais peur? Non, mais t'inquiète. Vaut mieux être prudent. Ok. Vas-y. 3, 2, 1. Vas-y, bois. Un peu. Pas tout. Un petit peu. Non? Arrête, non, stop. Wow, c'est déjà pas mal. Quoi, c'est quoi? C'est pas bon? C'est à quoi comme goût? C'est spooky? Ça pique. Sérieux? Oh, ça va. Oh, je me recule. Oh, ça va? Oh. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Ah. Oh. Coucou, c'est moi, Miss Delight. Viens me voir, Robtek.
c'est chaud. Non mais les gars, si Spooky s'est carrément transformé en Miss Daylight. Je me cache dans ma chambre, vite, vite, vite. Je m'enferme dans ma chambre, les gars. Non, c'est dinguerie ça. Attendez, chut. Oh. Ça a claqué la porte d'entrée. Ça... Il vient de quitter la maison ou quoi? Oui. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ah, j'ai une idée, j'ai une idée. Peut-être que je peux suivre la progression de Sim Spooky en Miss Daylight. Voir ce qu'il fait, voir où est-ce qu'il va aller surtout. Voir qu'est-ce qui peut se passer. Vite, vite, je m'équipe de mon drone. Let's go, c'est parti. Vite, et c'est bon, chaud drone, les gars. Là, ça rigole plus. Là, c'est du sérieux, les mecs. Alors, regardez, la première chose qui me vient en tête, les gars, c'est peut-être survoler le McDonald's. C'est une bonne idée, je sais pas, en fait je sais pas les gars. En tout cas d'abord vous devez savoir que à côté de ce fameux McDonald's il y a une école primaire. Donc restons attentifs, voyons voir ce qui peut se passer. Là. Oh non, oh non, oh, 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 il est là, enfin Sim Spooky, non, enfin Miss Daylight plutôt. Elle est là. Elle vient carrément de traverser le parking devant le McDonald's. Je crois qu'elle se dirige directement vers l'école. Attendez, bah si c'est ça, je vais de l'autre côté. Je vais de l'autre côté. Enfin, je vais... Normalement, dans ce McDonald's-là, il y a deux parkings. Donc là, je suis du côté du deuxième parking. Et là, elle devrait passer par là. Attendez, attendez. Là, 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 les gars. Voilà. Oh, je suis chaud. Ok. Oh, attendez. Mais quoi? Oh, les gars, vous... il y a le catnap. Mais qu'est-ce que... Attends, 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 je crois arriver. Qu'est-ce qu'il fout là, Catnap? Attends, 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 qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je crains le pire. Je ne sais pas pourquoi je crains le pire. On part du principe, les gars, que bah, le Catnap, c'est sûrement un des élèves de la professeure Miss Daylight. Ça veut dire qu'ils ont forcément un lien entre eux. Ils se connaissent, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, y a pas de doute sur ça. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas sans le drone, les gars? C'est une dinguerie, je... Regardez, la Miss Daylight, elle est là. Oh purée, elle a une démarche tellement terrifiante. Oh, Catnap. Catnap là qui vient de surgir de nulle part. Et regardez, il crache du gaz toxique. Quoi? Il va empoisonner la professeure. Non. 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 Oh mon dieu. Non, c'est quoi la dinguerie? Coucher, dodo. Non, en fait non. Si je me trompe pas, ça n'empoisonne pas, mais ça t'endort. En tout cas, ça l'a complètement endormie. Ah bah là, je vous le dis que les gars, la Miss Daylight, elle est pas prête de se réveiller. Elle va ronfler comme ça sur le parking pendant au moins des heures et des heures. Hey, comment ça va la famille? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de fou furieux, les gars. Vous l'avez bien vu au titre et à la miniature. Je vais littéralement démasquer Miss Daylight. La Miss Daylight, elle ne bouge plus du tout. Regardez. Elle est KO, Miss Daylight. Mais attends, Robtech, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on la garde avec nous à la maison? Il faudrait plutôt s'en débarrasser, j'en sais rien. Non, 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 il y a Spooky. Figure-toi que j'ai reçu énormément de commentaires. Les abonnés aimeraient que je démasque Miss Daylight. Et je pense que c'est le bon moment, là, non? Tu crois pas? Oh, mais Robtech, t'es complètement fou. Et je compte sur vous, d'abord, mettez-nous tout de suite un maximum de pouces bleus. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Parce que là, je vous le dis tout de suite, ça va être dingue. Ça va être quelque chose de complètement incroyable. En fait, moi je vous le dis, la raison pour laquelle Miss Daylight porte un masque, c'est probablement parce qu'il se trouve quelque chose d'encore plus effrayant derrière tout ça. Oh, et vas-y, Spooky, allez, tu t'y colles, tu la démasques. Quoi? Attends, quoi? Moi, démasquer Miss Daylight? Oui. Oh, Robtech, là tu sais des grosses responsabilités là que tu me donnes. C'est parce que je te fais confiance, Spooky. Oh, allez, ok, tu es capable. Ok, vas-y, allez. Tu tires fort d'un coup et tu tires d'un coup et ce sera la surprise, d'accord? Ok, ok, c'est parti. Tu peux le faire, tu 3, 2, 1. Vas-y. Mais oh. Hey, y'a Spooky, t'y arrives? Non. Mais Robtech, c'est trop bizarre. C'est pas si facile que ça, je comprends pas. Ah, tu réessayes. Ok, allez, tu réessayes. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, Robtech, mais qu'est-ce qu'on a fait? Oh là là là. Je sais pas, y'a Spooky, garde ton calme d'abord. Non, j'ai peur. Oh, et toi, y'a Spooky? Bah, qu'est-ce qu'il y a? Ne bouge pas, ne bouge pas. Mais y'a quoi? Derrière toi, y'a Catnap. Non, 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 je t'en supplie. Doucement. Oh, c'est pas possible. Faut qu'on aille se cacher. Vite, on se cache dans les toilettes. J'ai allumé la lumière de la caméra. Ouais, t'as bien fait. Mais attends, Robtech, la question c'est comment est-ce que Catnap est rentré dans la maison? Je sais pas, en tout cas. Chut, chut, y'a du bruit là. Ouvre la porte, regarde. Ouais, viens voir. Attends, attends, si, regarde. Oh, oh, regarde ça. Attends, qu'est-ce qui fait Catnap? Je sais pas. C'est bizarre. C'est bizarre. Regarde, regarde. Oh, oh. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh mais non. Oh, regarde ça. Oh là 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 là.
violent. Mais Ramtek, Katnap est en train d'embarquer Miss Delight. Mais au moins, Ramtek, au moins on est tranquille, on en est débarrassé. Ouais, mais non, y a Spooky. Rappelle-toi, moi je voulais la démasquer. Mais c'est vrai, comment on va faire du coup? T'as une idée ou pas? Ah bah ouais, bah là je crois que c'est foutu, pour toi. Mais regarde. Oh, non. Viens voir, on va voir discrètement. Vas-y. On va les espionner. Regarde. Il embarque jusqu'au jardin ou quoi? Mais oui! Mais attends, la question c'est qu'est-ce qu'il va faire là? Je comprends pas pourquoi il emmène jusqu'au jardin! Je sais pas! Mais attends, y'a Spooky, on peut pas laisser passer cette chance! Comment est-ce qu'on va faire pour la démasquer maintenant? Viens, on s'y aventure jusqu'au jardin! Viens! Je pense qu'ils sont partis tout au fond du jardin! Et doucement, on y va doucement! Surveille tout autour de toi! Tu vois quelque chose? Oh! Oh bah ils sont là! Mais que fait Katnap? Regardez! Oh! Il est en train de la ligoter et de l'attacher avec des chaînes. Katnap? Oh! Hé, hey, Katnap! Oh! Oh! Mais qu'est-ce que tu fais, Katnap, là? C'est moi qui vais la démasquer. Quoi? Comment ça? Vous entendez ça? Il a dit qu'il allait démasquer Miss Delight. Tu veux démasquer la Miss Delight, sérieux? Oui, c'est moi qui vais la démasquer. Mais non, attends, c'est moi qui voulais le faire, ça. Non, c'est moi qui le fais, Katnap. Katnap, tu veux... Allez, viens. Va-t'en! Purée! Regarde, il est en train de la démasquer! Quoi? Attends, on regarde ça! Venez! Attends, c'est Raph! Mais Raph, Spooky! Mais attendez, mais c'était Raph Spooky derrière le masque de la Miss Delight! C'est une blague ou quoi? Raph? C'est pas ce que vous croyez, les gars! Détachez-moi, s'il vous plaît! Attends, mais t'es pas sérieux, Raph? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'est passé dans la tête, là? Bah écoutez, les gars, j'avais envie un peu de m'amuser! C'est pour vous faire flipper un peu, parce que j'aime bien vous voir flipper, c'est trop drôle, les gars! Ok, il est sérieux, quoi? Attendez, les gars, vous pouvez me détacher un petit peu, parce que. Vas-y, on te détache, là! Merci, Ramtek. Attends, Ramtek, je t'arrête tout de suite. J'ai une petite supposition. Je penserais que Sim Spooky serait déguisé en Katnap. Quoi, les Katnap là? Si tu me dis que c'est Sim Spooky. Oui, c'est ça, Sim Spooky c'est Katnap. Mais t'es pas sérieux là? Non, je pense que c'est vraiment lui, hein. Ok, moi je veux en avoir la certitude. Vous savez quoi ce qu'on fait? C'est qu'on le démasque. Oh ouais, c'est une super idée, on le démasque, voilà. Ok, on retourne à la maison, il est retourné dans la maison. Donc allez, on va le démasquer, venez. Et c'est pas fini les gars. Mais ça part complètement en cacahuète. Je m'attendais à tout sauf à ça moi. Y'a Spooky, tu me suis, c'est pas fini. On rentre dans la maison. Katnap, où es-tu? Mais où est-ce qu'elle se... C'est bizarre, hein, parce qu'il est vite parti. Ça, c'est trop bizarre, non? Ouais, c'est très bizarre, je pense Là, les soupçons commencent vraiment à devenir sérieux. On va retrouver le Katnap et on va le démasquer, là. Il a pas pu partir bien loin, de toute façon. Ouais, je pense qu'il n'est pas parti très loin. Il est encore dans la maison. Oui, c'est sûr, il est rentré par la maison. Par contre, franchement, petit déguisement de Miss Delight, il va plutôt bien, Raph. Tu trouves? Bon, on arrête de rigoler, vite, on va retrouver Katnap. Hello, Katnap. Oh, attends. Hey, toi, tu montes en haut et nous, on descend en bas. Bah, c'est logique. Ah bah ouais, on peut pas monter en bas. Oui, bon, je sais. Allez, vas-y, tu montes et moi j'y vais. Hey, y'a Spooky, tu me suis, tu restes avec moi. Alors là, par contre, ça devient intéressant. En vrai, y'a Spooky, t'es chaud? Ça devient super intéressant. Ça devient drôle. Bon, les gars, en bas, vous le savez, c'est la cuisine. Alors on va voir si c'est peut-être caché quelque part dans la cuisine ou pas. T'as entendu? Ouais. C'est Raph qui a crié comme ça. Ouais. Yaya, c'est Raph ça. Raph, ok, vite, faut remonter. Vite. Yaya, allez, donne-moi la caméra, vite. Allez. Oh, vite. Viens, je crois qu'il y a un problème avec Raph. Allez, monte, vite, c'est tout en haut. Bon, Raph, j'ai réussi à enfermer Katnap. Il est dans les toilettes. Sérieux? Oui. Bien joué, Raph. Et hey, Ramtek, tu vas me donner la caméra et vous deux là, vous allez vous charger de mettre Katnap dans cette cage, ok? La cage là? Oui, cette grosse cage, ok? Allez, donne-moi la caméra. Tiens, en vrai c'est une bonne idée. Raph, t'es chaud? Ouais, je suis chaud. Bon, je suis pas très crédible avec cette tenue, mais t'inquiète pas, je suis chaud. Bon, allez, on y va. Tour et moi je le chope et je le jette dans la cage. Vas-y. Allez, okay. Les gars, c'est parti. 3, 2, 1, vas-y, go. Là. Il est où? Oh, il est où? Il est dans le douche. Ah, il est juste là. Il est là. Allez, ferme la cage. Oh les gars, parfait, Katnap capturé. Eh ouais.
Attendez, maintenant qu'on l'a capturé, il faut le... démasquer. Bien vu, Raph. Eh ben, je le fais, je m'en charge. Bah ouais, non, j'ai envie de le faire en tech. Bah non, c'est moi, je le fais. On va y aller, fais-le. Bah ouais, c'est quand même ma chaîne YouTube. J'ai le privilège de le démasquer. Et on va voir si c'est Sim Spooky. Et ouais, c'est surtout pour ça. Ouais, allez, let's go. Vas-y. Allez, je passe mes mains dans la, à travers la cage et je vais essayer de retirer le masque. Allez, 3, 2, 1, et... Oh, allez, oh, oh. Mais hey, oh, Sim Spooky, c'est moi. Wow. Eh, hey, mais sors de là, toi, Sim Spooky. Eh, hey, je vous ai bien eu quand même, hein. C'est pas drôle. Oh, mais attendez, les gars, vous nous avez pranké, en fait, vous deux, là, c'est ça? Ah ouais, ouais, totalement. Ah, check ça, Raph. Ouais. Oh, on s'est fait pranker. Allez, ciao. Ah, c'est pranké, allez, ciao. Oh, nul, trop nul. Oh, attendez, regardez, Yaya, regarde. Oh. Le masque est incroyable, hein. Attendez, je vais moi aussi me mettre en catnap. Coucou, c'est moi, oh, ça y est, c'est sûr, je vais encore en faire des cauchemars. Ça y est. Oh, vas-y, je pense que c'est le moment de s'arrêter là pour la vidéo. Je vais aller me reposer, je vais dormir un petit peu. J'espère surtout que je vais pas en faire des cauchemars. Allez, ciao.